Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration d'un point de vue global qui pourrait être confirmée ici par cette résistance oblique puisque nous avons ici plusieurs zones de points significatifs, de points de contact significatifs. Et donc si on part ici avec ce tracé, eh bien nous pouvons constater que nous sommes potentiellement ici sur une phase de sortie. Alors la sortie ici manque un petit peu de conviction. Si on s'en remet au niveau horizontaux, on voit ici que c'est la zone des 4980 points aujourd'hui qui va être significative par rapport justement à une possible poursuite de ce mouvement puisque cette résistance oblique eh bien, converge sur ce niveau horizontal. Du point de vue des indicateurs techniques, on a des mouvements d'affaiblissement quand même, notamment sur le MACD qui est dans sa zone supérieure mais sur une évolution négative. Le RSI, quant à lui, s'est totalement neutralisé. Par rapport à la configuration globale, on est toujours sur une dynamique plutôt haussière avec ici un contact sur la bande de Bollinger supérieure et un retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc la dynamique, même si elle a du mal ici à démarrer, reste plutôt orientée à la hausse avec un objectif de retour ici sur la zone des 5060 points. Maintenant, les niveaux d'invalidation sont très proches. On a donc cette résistance oblique et on a donc la zone des 4980 points. Si cette zone des 4980 points était cassée à la baisse, là où sur cette bougie nous avons eu un comblement du gap qui avait été ouvert et qui avait permis le franchissement ici des 4980, mais on voit bien que ce gap reste support puisque la zone des 4980 l'est aussi. Donc pour l'instant, on est ici sur un mouvement qui, même avec ici un point de vue, je dirais, un gap qui a été comblé et un point de vue affaibli, eh bien reste dans une dynamique plutôt haussière. Mais attention, on voit ici que depuis le contact, on n'arrive pas à trouver de relais. On a vu sur l'analyse d'Eli qu'il n'y a pas énormément de volume. Donc le fait ici de revenir sur cette zone doit vraiment se faire dans un contexte de test et de retour ici d'un mouvement haussier. Si on casse cette zone, clairement, on change une dynamique ici qui potentiellement peut nous donner un retournement haussier sur le court et sur le moyen terme dans une phase de signal de continuité de la dynamique baissière, à savoir ici impulsion, rebond technique, deuxième contact, deuxième rebond technique inférieur au précédent puisqu'on n'a même pas ici testé le retracement des 23,6 pour l'instant. Et si on casse ici la zone des 4980, eh bien l'objectif c'est un test des 4897 et des tests sur une zone majeure qui se rapproche fragilise ce support et donc on pourrait bien assister à une rupture de ces 4897 qui nous donnerait là un gros signal baissier sur l'indice parisien. Donc à surveiller ici cette zone des 4980 points. À la hausse, il faudrait vraiment valider un contact ici sur les 5060 pour garder, je dirais, quelques espoirs haussiers suite à l'ouverture de ce gap que nous avons eu durant la semaine. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 pour ce matin. D'un point de vue macroéconomique, alors nous aurons les chiffres de l'inflation, hein, les indices de prix à la consommation qui seront dévoilés à 11h pour la zone euro. Nous aurons un discours d'un des membres de la Banque Centrale Européenne et nous aurons aussi les chiffres du chômage en Europe avec les taux de chômage donc qui seront tous dévoilés à 7h, hein, à 11h. Cet après-midi, donc, nous aurons le fait marquant, ce sera la diffusion du PIB, des chiffres du PIB du Canada. Donc ça, ce sera à 14h30 et je vous rappelle que nous serons en trading live, hein, un trading live qui démarrera à partir de 14h. À 15h45, nous aurons l'indice PMI de Chicago et ce sera terminé pour cette semaine en ce qui concerne les chiffres majeurs. Voilà, donc je vous rappelle qu'à partir de 14h, c'est trading live avec un compte live qui a encore très bien progressé cette semaine. On débriefera tout ça à partir de 14h. Je vous souhaite une bonne séance et à tout à l'heure donc pour le trading live. Le lien vous sera donné comme habituellement sur le chat du site boursicoté.com.